Donc c'est une 11e journée nationale pour les aidants. Ils ont besoin qu'on les accompagne parce qu'ils pensent aux autres, mais ils ne pensent pas à eux. Aujourd'hui, cette journée est en soutien financier avec le département de la Savoie et la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette année, effectivement, on a décidé avec l'accueil Savoie Handicap d'organiser cette journée en virtuel pour que les aidants puissent nous suivre de chez eux. Donc, effectivement, c'est une nouvelle formule. On s'est réunis là tous les partenaires à l'accueil Savoie Handicap et les aidants sont chez eux. Donc, ils peuvent participer à des ateliers d'écriture créative ou des ateliers sophrologie via Zoom. Donc, on leur a envoyé un petit lien. Et dans l'après-midi, ils peuvent suivre sur Facebook une présentation de tout ce que les partenaires du bassin chambérien peuvent proposer aux aidants. Donc une petite présentation très dynamique de tous les partenaires. Et ensuite, il y a une conférence avec un philosophe et une table ronde avec certains aidants pour pouvoir effectivement proposer une organisation, un temps dédié aux aidants en cette journée nationale des aidants.